Salut les tapins! Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit unboxing. J'ai commandé ça, un putain de boîtier pour faire un serveur. Tu vois ma main? Tu vois la taille du carton? On est bien. Le bordel, il fait 18 kilos ou 16, je sais plus, enfin on s'en branle. On va se le faire maintenant. Hop, tu coupes. Hop, tu recoupes. Ouais, désolé, j'avais pas mon trépied. Je pensais pas le recevoir aujourd'hui. Hop, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop, tu l'ouvres. Hop, et hop. Alors le boîtier, c'est quoi ça? Un Define XL Air 2 Computer Case de Fractal Designer. T'es dans un carton de forme cartonnée. Voilà. Donc tu peux voir qu'il a un côté, deux côtés, trois côtés, un quatrième, un dessous et un là. Donc bouge pas, je te pose une seconde. Ça va être tout noir. Ta gueule! C'est pas grave. Hop. Et tu vois que le bestiau, il est là. Donc bon, comme j'ai pas de trépied, je vais te reposer. Tu veux voir au-dessus? Eh ben vas-y, regarde le plafond. Moi, j'essaie de le sortir. C'est lourd cette merde. Tu l'as vu, hein? Je suis en pleine galère. Évidemment, vous ne viendrez pas m'aider, hein. Putain, les abonnés, c'est plus ce que c'était. Bon, on n'arrive pas à le sortir, on va faire autrement. Ah, c'est parce qu'il y a les poignées qui nous emmerdent. C'est chiant de regarder comme ça. Ouais, c'était ça qui faisait chier. Et ça, normalement, ça devrait le faire. Je te repose, ça va marcher, t'inquiète. Je te pose comme ça, voilà, tu regardes dans les fils. Voilà, je suis allé à l'ancienne. Voilà, il est sorti. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il a? Putain, il est à l'envers, je suis vraiment une grosse couille. Et ouais, mais tout faire à une main, c'est pas pratique aussi, hein. Attends, je te repose. Non, mais c'est bien les vidéos comme ça. Mais les autres, elles sont pas toutes comme ça. Donc tu t'abonnes, tu mets la putain de cloche. Voilà. Puisque ça, j'en peux faire un peu d'ASMR. Voilà. Un peu d'ASMR, ça fait du bien. On est content. Alors, on reprend. Donc là, tu as une porte qui te permet d'avoir une, deux, trois, quatre baies. Puis une, deux, enfin plusieurs. Là, de ce que j'ai lu, voilà, c'est une porte qui te permet d'enlever les gros ventilateurs qui sont là. T'as vu, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Tu raccroches le lot dessus. Oh putain. Voilà, t'as quoi maintenant? Putain, il fait son poil, enculé. Là, t'as un ventilo. T'as un trou pour mettre ta carte mère. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, je sais pas compter, borne PCI. Là, t'as le trou pour la lime. T'as des vis à main. On va regarder direct ce qu'il y a dedans. Ouais, je suis un peu essoufflé, c'est un peu lourd quand même. Hein. Puis si t'es pas content, bah, tu vas te faire enculer. Hein? On fait comme ça? Oh, ok. T'enlèves les vis à main. Toujours à une seule main. Putain, c'est pas pratique. Je savais que j'aurais dû prendre mon putain de trépied, je le sais. Est-ce que je l'ai fait? Non, parce que je suis un parfait fils de pute. À l'intérieur, t'as quoi? Déjà, t'as tout capitonné, c'est super cool. T'as le truc pour le ventilo qui est obstrué comme ça. Si t'en mets pas, déjà ça sert à rien, mais au moins t'entends pas le bruit. T'as quoi dedans? T'as un ventilo de 140 qui est là, avec les câbles qui sont là. T'as plein de baies pour mettre plein de disques durs, pour télécharger comme un connard. T'as un autre ventilo là. Et tu peux en rajouter deux ici. C'est pas beau ça? Voilà. Bon, bah écoute, je te laisse sur le meilleur unboxing du monde, hein, on est d'accord. Et voilà. Bisous les tapins.